Bonjour tout le monde, hello. J'ai reçu plusieurs messages me demandant d'expliciter la technique du trémolo. Je ne suis pas professeur de guitare, mais je peux quand même peut-être montrer la façon dont j'utilise le trémolo, les différentes formes de trémolo. Tout d'abord, une chose très importante à savoir, c'est qu'au départ, il faut s'attacher à rechercher la régularité. Régularité rythmique, bien évidemment, entre chaque note, notamment pour celle jouée à la mélodie, sur les cordes aiguës, mais également régularité dans l'intensité de chaque son, qui passe par une indépendance d'attaque de chaque doigt, et non pas avoir un mouvement global comme certains font, en donnant l'impression d'un trémolo correct, mais en fait, c'est pas un mouvement global qu'il faut avoir, il faut détacher chaque note avec une indépendance de chaque doigt. C'est très important d'acquérir cette indépendance et il faut du travail, beaucoup de travail. Un bon trémolo, ça ne s'obtient pas en 15 jours, mais il faut plusieurs mois de travail. At the beginning, the most important is the regularity of the tremolo and it is necessary to work very slowly at the beginning. Alors j'ai préparé un certain nombre d'exercices, enfin un exercice avec les différentes formes de trémolo, donc le trémolo classique. D'une façon générale, le trémolo est un effet assez fameux qui permet de donner l'impression d'avoir en fait deux guitares, une qui joue la mélodie, l'autre qui joue l'accompagnement. En fait, l'accompagnement est très souvent joué par le pouce à la basse et la mélodie jouée par les trois autres doigts sur une alternance rapide sur une même corde et en général sur un même son. Alors, le trémolo classique, en fait, il y a quatre notes à jouer. La première jouée par le pouce. Et ensuite, on alterne les trois doigts de la main, trois autres doigts, dans la séquence annulaire majeur index. C'est ce qu'on appelle le fameux PAMI. PAMI. Pouce index, pouce annulaire majeur index. Les exercices portent sur un thème de Malawena. Et là, j'ai introduit une petite difficulté, c'est qu'on va jouer non pas la mélodie à l'aigu, mais sur la basse, de façon à être très attentif à ce qui se passe sur la régularité des aigus. Il y a juste une petite erreur sur la partition, c'est que dans la phase ascendante sur les basses, on va jouer un Fa et non un Mi comme c'est indiqué. Je vais me rapprocher pour qu'on puisse voir le détail. Un peu plus de détails dans la main droite. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Alors on commence très lentement. Pouce annulaire majeur index. Normal pour voir l'effet que cela peut donner. Donc j'introduis une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'à la fin on joue tout sur la même note, pouce et autre doigt. On arrive. Quelque chose qu'on va trouver facilement habituellement dans les partitions classiques, mais c'est un effet que j'aime bien utiliser, notamment dans les arrangements. Alors maintenant, à proprement parler, le trémolo flamenco, qui se compose non pas de 4 mais de 5 notes, et on va simplement ajouter l'index en début de mouvement rapide sur les doigts jouant l'aigu par rapport à la séquence classique. Donc la séquence est pouce, index, annulaire, majeur. P-I-A-M-I. P-I-A-M-I. P-I-A-M-I.
Ceci a pour conséquence de ralentir un peu les basses, de donner donc plus de corps, d'intensité à la mélodie, et cela permet aussi de buter avec le pouce sur l'attaque des basses, puisque cette fois on va attaquer en premier l'index, ce qui est plus facile à faire que lorsqu'on est sur le trémolo classique par exemple, où on est donc en opposition de phase entre l'annulaire et le pouce, c'est assez difficile de buter là. Et les guitaristes flamenco butent volontiers le pouce dans les séquences en trémolo. Donc on y va, on va essayer d'y aller. J'utilise. En fait, comme au départ j'étais un peu autodidacte, donc je faisais le trémolo comme ça, un peu comme dans un arpège. C'est comme le trémolo classique, mais dans le sens IMA. Donc, pouce, index, majeur, annulaire. Pouce, index, majeur, annulaire. Pouce, index, majeur, annulaire. Ceci permet d'accélérer la vitesse du trémolo flamenco, puisque je le joue essentiellement en flamenco, et de bien pouvoir appuyer avec les basses. Exemple. Les basses peuvent être irrégulières. Maintenant, si on reprend le trémolo classique à 5 notes, donc pouce, index, annulaire, majeur, index, je peux vous jouer un petit extrait d'une jolie farruca de Paco Pena. Oui, un joli, très joli passage en trémolo.